Neuvaine au Saint-Enfant Jésus, miraculeux de Prague, du 16 au 24 décembre. Viens te blottir contre mon cœur, j'ai tant d'amour à te donner. Viens sur le chemin de ton cœur, je t'attends, viens me rencontrer. Et sur le chemin de ton cœur, prends le temps, laisse-toi aimer. Nous invitons tous les parents à faire cette neuvaine avec nous, afin de demander au Saint-Enfant Jésus, miraculeux de Prague, de venir en aide à nos enfants, de venir en aide à tous les jeunes, à toutes les familles. Nous allons également prier spécialement pour les couples qui n'arrivent pas à enfanter. Jésus, enfant miraculeux de Prague, prends pitié de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Avec le psaume 101, 102, demandons pardon au Seigneur pour toutes nos fautes. Qu'elles ne soient pas des obstacles aux grâces réservées pour chacun de nous au cours de cette neuvaine. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Je ressemble au corbeau du désert. Je suis pareil à la hulotte des ruines. Je veille la nuit comme un oiseau solitaire sur un toit. Le jour, mes ennemis m'outragent. Dans leur rage contre moi, ils me maudissent. La cendre est le pain que je mange. Je mêle à ma boisson mes larmes. Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté. L'ombre gagne mes jours et moi, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de prendre pitié. L'heure est venue. Il est temps de prendre pitié. L'heure est venue. Il est temps de prendre pitié. L'heure est venue. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Daignez ne pas vous souvenir de nos péchés, Seigneur, ni de ceux de nos proches, ni de ceux de nos enfants, ni de ceux des couples
qui n'arrivent pas à enfanter. Et ne tirez pas vengeance des offenses que nous vous avons faites. Amen. Prière au Saint-Esprit. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Amen. Esprit Saint de lumière, éclaire-nous, fortifie-nous, sanctifie-nous. Viens en nous, souffle de vie, éclaire-nous, nous t'attendons. Amen. Voici devant toi, fais-nous goûter ta paix, ta joie. Brûle nos cœurs jour après jour au grand soleil de ton amour. Prière d'intercession. Divin enfant Jésus, garde les jeunes dans ton amour. Fais qu'ils entendent ta voix et qu'ils croient à ce que tu leur dis, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Apprends-leur comment professer leur foi, comment faire don de leur amour, comment communiquer leur espérance aux autres. Fais d'eux des témoins crédibles de ton évangile dans un monde qui a tant besoin de ta grâce qui sauve. Fais d'eux le nouveau peuple des béatitudes pour qu'ils soient le sel de la terre et la lumière du monde. Divin enfant Jésus, guéris les couples de la stérilité, de l'infertilité. Rends les féconds fertiles, que leurs enfants à naître aient un cœur semblable au tien. Tendre et sensible et rempli de l'amour de Dieu, un cœur sage et intelligent, un cœur obéissant et soumis à Dieu. Amen. Prière au Saint-Enfant Jésus, miraculeux de Prague. Ô Saint-Enfant Jésus, j'ai recours à vous. Je vous en prie par votre Sainte Mère, assistez-moi dans cette nécessité. Seigneur, en ce sixième jour de la neuvaine, nous te présentons toutes nos demandes et nous ajoutons à ces demandes
tous les couples qui ont des difficultés à enfanter. Ô Seigneur Dieu, comme tu l'avais fait pour Élisabeth et Zacharie, agis en faveur de ces couples en ce moment, en ce sixième jour de la neuvaine. Et également agis en faveur de tous nos enfants que nous te confions pendant cette neuvaine. Seigneur, écoutez nos prières, exaucez-nous. Et en ce moment, frères et sœurs, présentez vos demandes au cet enfant Jésus, miraculeux de Prague. Car je crois fermement que votre divinité peut me secourir. Je crois fermement que votre divinité peut secourir tous ces couples qui ont des difficultés à enfanter. Je crois fermement que votre divinité peut secourir tous nos enfants. J'espère avec confiance obtenir votre sainte grâce. Je vous aime de tout mon cœur et de toutes les forces de mon âme. Je me repens sincèrement de mes péchés et vous supplie, ô bon Jésus, de me donner la force d'en triompher. Je prends la résolution de ne plus jamais vous offenser. Et je viens m'offrir à vous dans la disposition de tout souffrir plutôt que vous déplaire. Désormais, je veux vous servir avec fidélité. Pour l'amour de vous, ô divin enfant, j'aimerais mon prochain comme moi-même. Enfant plein de puissance, ô Jésus, je vous en conjure de nouveau, assistez-moi dans cette circonstance. Et en ce moment, quelle que soit ta circonstance, présente-la à Jésus, le Saint-Enfant miraculeux de Prague. Faites-moi la grâce de vous posséder éternellement avec Marie et Joseph dans le ciel et de vous adorer avec les saints anges. Ainsi soit-il. À l'enfant Jésus. Adorable Trinité, par cette couronne, nous vous offrons toutes les adorations du cœur du Saint-Enfant Jésus. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Premier mystère, l'Annonciation. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième mystère, la Visitation. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième mystère, la naissance de Jésus. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième mystère, l'Adoration des bergers. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième mystère, la circoncision. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sixième mystère, l'Adoration des mages. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Septième mystère, la Présentation de Jésus au Temple. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Huitième mystère, la fuite en Égypte. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Neuvième mystère, le séjour en Égypte. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dixième mystère, le retour de l'Égypte. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Onzième mystère, la vie cachée à Nazareth. Un enfant nous est né, plein de grâce et de vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Douzième mystère, Jésus au milieu des docteurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions. Divin enfant, beauté incomparable, bonté infinie, toujours adorable parce que vous êtes mon sauveur. Je vous adore et je vous aime. Je vous consacre toutes les lumières de mon esprit et toutes les tendresses de mon cœur. Et je vous rends grâce de toute mon âme de vous être fait petit enfant par amour pour nous. Je vous adore dans tous les mystères de votre divine enfance. Je vous prie de m'en donner l'esprit et de m'accorder la grâce de vous honorer dignement par l'imitation des vertus que vous y avez pratiquées, afin que, m'étant uni à vos saintes dispositions sur la terre, je mérite de vous voir et de vous posséder éternellement dans le ciel. Vous qui vivez et régnez avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles.
Amen. Prière du sixième jour pour honorer de l'enfant Jésus sa bouche et ses lèvres saintes. Nos cœurs sont dans la joie et chantent Alléluia pour tout ce que tu fais déjà et ce que tu vas faire. Cœur d'accueil de Jésus, nous t'accueillons dans notre cœur, nous t'accueillons pour nos familles et pour la terre entière. Nos cœurs sont dans la joie et chantent Alléluia pour tout ce que tu fais déjà et ce que tu vas faire. Ô saint enfant Jésus, je me prosterne à vos pieds et j'adore votre bouche sacrée. Le plus souvent, elle s'est tue durant vos jeunes années et quand elle a parlé, elle n'a proféré que des paroles de prière à son Père, de zèle et de charité pour le prochain. Ô lèvres divines, desquelles découle la sagesse, instruisez-nous, apprenez-nous à nous taire quand il le faut, à parler à propos comme il convient et toujours selon la vérité. Apprenez-nous à fuir toute médisance et duplicité. Toute parole dure et hautaine ou scandaleuse pour autrui. On rapporte que plusieurs fois, vous avez fait entendre votre douce voix par votre sainte image de Prague. Les merveilles que vous opérez par elle sont si nombreuses qu'elles semblent nous dire à tous, vous tous qui souffrez, venez à moi et je vous soulagerai. Demandez-moi et vous recevrez. Mettez-vous à mon service et vous trouverez la paix de l'âme. Ô saint enfant Jésus, je veux être compté parmi vos serviteurs et, à ce titre, je vous prie de m'aider à ne plus pécher par la langue. Celui qui ne pèche point par la langue, dit votre apôtre Saint Jacques, celui-là est parfait. Rends-nous parfaits, Seigneur. Rends parfaits nos enfants. Rends parfaits les couples en difficulté. Amen. J'invite tous les parents à se joindre à moi pour faire cette prière pour nos enfants. Un jour j'étais triste, j'ai dit à Jésus, je sais tu existes, dis-moi où es-tu, vois-tu ma j'ai crié vers lui et j'ai souvenance que Jésus m'a dit. Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, tu nous as fait le don d'avoir des enfants et tu nous as confié le soin de leur éducation. Entre tes mains, nous remettons leur avenir. Garde-les du mal, protège-les contre les dangers, soutiens-les dans la tentation, rends-les fermes dans la foi.
persévérant dans la prière et sans reproche dans la conduite de leur vie. Viens aussi à notre secours pour que notre comportement ne leur soit jamais cause de scandale, mais lumière qui conduit au bien. Accorde-nous la grâce de toujours connaître la joie auprès d'eux et enfin, après cette vie terrestre, daigne nous réunir tous auprès de toi dans ton paradis. Amen. Invocation au Saint-Enfant Jésus de Prague. Enfant Jésus, roi de gloire, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, notre vrai Dieu et Seigneur, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, vous dont la puissance opère tant de merveilles, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la bonté est toujours prête à nous secourir, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont l'amabilité console les affligés, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la miséricorde pardonne nos péchés, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la force soutient notre faiblesse, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la puissance nous protège contre tous les maux, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont le souverain pouvoir triomphe de l'enfer, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la gracieuse image attire nos cœurs, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont le doux et saint nom réjouit les fidèles, ayez pitié de nous. Enfant Jésus, dont la majesté remplit l'univers, ayez pitié de nous. Ô divin enfant Jésus, daignez augmenter en nous l'amour et la dévotion envers votre sainte enfance, exaucez-nous. Ô divin enfant, ne retirez jamais de nous votre main qui opère tant de merveilles et préservez-nous des malheurs qui nous menacent, exaucez-nous. Ô divin enfant, soyez toujours notre consolation et notre refuge dans votre image miraculeuse. Exaucez-nous. Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. Prions. Jésus, notre roi, nous vous conjurons, prosternez devant votre sainte image, jetez un regard de clémence sur nos cœurs suppliants et pleins d'angoisse. Que votre cœur si bon, si incliné à la pitié, se tourne vers nous et nous accorde la grâce que nous lui demandons avec instance. Grâce de guérison pour nos enfants, grâce de délivrance pour tous les enfants qui souffrent. Délivrez-nous de la tristesse et du découragement, de tous les maux et difficultés qui nous accablent. Par les mérites de votre sainte enfance, daignez nous exaucer et nous accorder la consolation et le secours dont nous avons besoin, afin que nous vous louons avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles.
ainsi soit-il. Un jour j'étais triste, j'ai dit à Jésus, je sais tu existes, dis-moi où es-tu. Vois-tu ma souffrance, j'ai crié vers lui, et j'ai souvenance que Jésus m'a dit. Souvenez-vous, ô divin enfant Jésus. Souvenez-vous, ô divin enfant Jésus, de la promesse si douce que vous avez daigné faire vous-même à votre servante, la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement, lorsque vous lui disiez ces paroles si pleines de consolation pour notre cœur triste et accablé. Recours à mon cœur, et chaque fois que tu viendras obtenir une grâce, ne manque jamais de la demander par les mérites de ma sainte enfance, car je ne te la refuserai point. Rempli de confiance en votre parole, ô divin enfant Jésus, si miséricordieux et toujours fidèle dans vos promesses, je viens à vos pieds vous exposer mes peines. Aidez-moi à mener une vie sainte afin d'arriver sûrement à l'éternelle patrie et par les mérites de votre incarnation et de votre sainte enfance, ô divin enfant Jésus, par l'intercession aussi de votre auguste mère et des saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, daignez m'accorder les grâces que je sollicite. Et en ce moment, présentez vos demandes à nouveau à Jésus, le Saint-Enfant miraculeux de Prague. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je les implore avec la plus vive instance, car vous savez combien j'en ai besoin. Non, non, ô doux enfant Jésus, je ne serai point trompé dans mon espérance. Je me jette dans les bras de votre tendresse, de votre miséricorde et de votre puissance, persuadé que vous écouterez ma prière et que je ne me relèverai pas de vos pieds sans avoir été consolé et exaucé. Amen. Comme beaucoup d'humains sur la terre, j'ai cru que par ma volonté, j'inventerais à ma manière les secrets de la liberté. Il a fallu que tu m'apprennes que toi seul maîtrises les flots. J'ai voulu être ton capitaine et faire de toi mon matelot. Prière indulgenciée au Saint-Enfant Jésus. Très aimable Jésus, notre Seigneur qui vous êtes fait enfant pour nous et avez voulu naître dans une grotte pour nous délivrer des ténèbres du péché, nous attirer à vous et nous enflammer de votre saint amour. Nous vous adorons comme notre Créateur et Rédempteur. Nous vous reconnaissons et nous vous voulons pour notre Roi et Seigneur.
et nous vous offrons comme tribut toutes les affections de notre pauvre cœur. Bien-aimé Jésus, notre Dieu et Seigneur, daignez accepter cette offrande pour qu'elle mérite d'être agréée par vous. Pardonnez-nous nos péchés, éclairez-nous, enflammez-nous de ce feu sacré que vous êtes venu apporter dans le monde pour l'allumer dans nos cœurs. Qu'ainsi notre âme devienne un sacrifice perpétuel qui brûle en votre honneur, qu'elle cherche toujours votre plus grande gloire ici-bas, afin qu'un jour elle puisse jouir de vos charmes infinis dans le ciel. Ainsi soit-il. Saint enfant Jésus, bénissez-nous, bénissez tous les couples qui ont des difficultés à enfanter, bénissez tous les enfants, bénissez tous nos enfants. Saint enfant Jésus, écoutez-nous, écoutez les prières que nous vous adressons en ce sixième jour de la neuvaine. Cet enfant Jésus, exaucez-nous. Oh, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il nous protège, qu'il nous libère, qu'il nous guérisse, qu'il protège nos enfants, qu'il parle en faveur de tous les couples, particulièrement ceux qui ont des difficultés à avoir des enfants. Oh, bénissez-nous, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.